de la télévision, du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Il est 14h, passé de quelques minutes et comme toujours, nous sommes dimanche et dimanche VIP qui s'installe. Question de vous permettre de bien préparer la semaine qui va débuter demain d'une façon assez relaxe, en déroulant bien évidemment le tapis rouge à nos people, à nos very important personnes. Nous espérons que vous allez bien et qu'en ce dimanche, comme toujours, nous allons vous apporter la bonne humeur dans vos chaumières. Mais avant, nous sommes dimanche, hein? C'est le jour du Seigneur pour celles des personnes qui se veulent être chrétiennes. On va faire un petit détour sur le plan musical, une bonne petite dégustation religieuse avec le concours de la réalisation et on se retrouve tout juste après. Tu es mon sauveur, tu es mon sauveur, Yahvé, tu es
grâce divine. C'est Dieu qui est fort. Ah ben oui, hein, à chacun de savoir où est-ce qu'il puise sa force. Pour l'instant, pour les personnes chrétiennes, je pense bien que c'est Dieu qui est fort. Peu importe les situations difficiles que vous rencontrez dans votre vie, peu importe les situations atroces, j'ai même envie de dire, si on est chrétien, forcément, c'est Dieu qui est fort. Et Dimanche VIP qui se veut être là pour vous réconforter dans votre foi chaque dimanche après-midi. Alors, il y a beaucoup de surprises, beaucoup de belles choses au programme ce dimanche. The very important persons. J'ai mis le S parce que on va découvrir beaucoup de personnes, beaucoup de célébrités que nous avons l'habitude de regarder comme ça à la télé et on se dit qui se cache réellement derrière ces personnes-là qui nous font danser. Ah ben oui, il s'agit des artistes musiciens. Ils nous font bien danser, hein, ça il faut le dire. Mais qu'est-ce qu'ils sont parfois énigmatiques, hein? On se dit les stars, les musiciens. Bon. Avec Dimanche VIP, on déroule le tapis rouge, mais on s'incruste un peu dans le jardin privé, entre guillemets, d'accord? Pour comprendre un peu le pourquoi, comprendre la motivation, également vous permettre de leur poser des questions. L'émission, elle est interactive au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran, le 6 98 09 16 83. Envoyez toutes vos questions, nous allons avoir le plaisir de les lire. Alors, je m'en vais vous présenter... quelqu'un qui défraie la chronique ces derniers temps. Déjà, de par son nom très spécial, il sort des musiques assez spéciales aussi. Ça va de pair. Il s'agit de Pharaon. Je vous propose de déguster un de ses titres. Il s'agit de Superman. Superman. Ah oui, j'ai bien dit Superman. Allez, on regarde et on se retrouve tout juste après. It's another one. I love you, my dear, no bigger than my sweetie, my baby, my honey, oh. It's you that I want, no be like your girl. It's you that I need in my life, oh. Si
Superman. Eh bien, dis donc, quel titre? Si je vous disais que Pharao est avec nous, et bien sûr, il nous fait le plaisir d'être sur le plateau de Dimanche VIP. Bonjour à toi, Pharao. Bonjour, Muriel. Comment vas-tu? Oh, je vais bien, et toi? J'ai commencé directement avec le tu, c'est permis? Non, vas-y. Je peux? Ouais. Voilà. Alors, bienvenue à Info Télévision. Bienvenue à Dimanche VIP. Merci. Je suis honoré d'être là, donc. C'est vrai que le dimanche, généralement, les gens préfèrent rester en famille. Hein. Ouais. Donc, lorsqu'on réussit à avoir quelqu'un le dimanche, encore plus une célébrité, une star, on se dit « Bingo, on a gagné le jackpot !» Alors, dis-nous, ton nombreux regardent comme ça, te découvrent la première fois peut-être. Hein. Ouais. On a toujours, ils sont toujours les premiers, même quand on est déjà tous au courant, il y a toujours les premiers quelque part. Ils se disent « Pharao, Pharao ». Bon, moi aussi, je me demande quand même « Pharao ». C'est pas ça ton nom quand même? Non, Pharao, c'est pas mon nom, mais Pharao, c'est le nom de celui qui est là-dedans. Voilà, le nom de celui qui est là-dedans. Ouais. Mais dis-nous, derrière Pharao, il y a qui? Qui se cache derrière Pharao? Derrière Pharao, c'est Brice, un jeune Camerounais normal, lambda. Je suis français, c'est Brice qui? Brice Zanga. Brice Zanga, voilà, ouais. Là on se retrouve artiste musicien camerounais. Ouais. Oh là là, donc Brice Zanga, originaire ouais. D'où? Bon, c'est compliqué à expliquer. C'est le Cameroun quand même. Oui, c'est le Cameroun. Oh là là, c'est le Cameroun, mais il y a pour les origines, oui, c'est le Cameroun, mais l'autre temps de vie, oui, c'était pas là. Il y avait beaucoup plus le Nigeria. Et... Ah bon, tu es un voyageur. Tu étais au Nigeria. Alors, bon, nous sommes contents du fait que tu sois revenu en terre camerounaise. La terre m'a appelé, donc il fallait que je voilà, la patrie t'a appelé et tu es venu pour nous exposer ce que tu sais faire, chanter. Ouais. Alors, depuis quand est-ce que tu t'es lancé sérieusement dans la musique? Je suis là depuis 6 mois. Depuis 6 mois. 6 mois. Bon, attends, j'aimerais savoir. Est-ce que ça fait 6 mois que tu donnes le là, le do, ou bien ça fait 6 mois que tu t'es dit j'entame une véritable carrière musicale? Comment dire, on chante tous depuis des années, même comment on n'apprend pas en fait, on n'apprend pas à chanter, même sous la douche je peux chanter, oui. Mais quand ça tu vas, le fait aussi souvent. Exactement, donc c'est il y a 6 mois que j'ai dit, je vais tenter le coup, peut-être les gars qui me disent que je chante bien, peut-être Iman, il faut que je prenne les avis de tout le monde, que tout le monde écoute et que chacun... Ah ben oui, hein. Alors mais lorsqu'on te voit si jeune, on se dit l'univers musical, c'est un peu compliqué quand même au Cameroun, ça tu le sais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé? Le fait que 2 ou 3 personnes te disent « Brice, tu chantes bien !» Ou alors tu t'es dit « J'y vais parce que je sais au fond de moi que je peux m'en sortir, que j'ai quelque chose à offrir. » À la base, pour moi, la musique c'est une passion. La passion. Ouais. La musique c'est une passion et il n'y a rien de plus beau que de vivre... de sa passion. Vivre de sa passion. Vivre de sa passion, c'est même si c'est compliqué, à un moment donné, même si c'est compliqué, quand tu fais ce que tu aimes, c'est pas compliqué. Bon. Quelqu'un qui est là par contrainte ne verra pas les choses du même angle que toi. Oui. Mais toi, tu sais que j'aime ce que je fais. Je peux me sacrifier pour ça, donc. Donc, ça passe. Ouais. Mais l'univers, le cadre familial, on valide facilement lorsque le jeune se lève comme ça et dit, bon, moi, c'est la musique que je veux faire. Il n'y a pas des petits combats à mener en famille pour s'imposer. Nous sommes au 21e siècle. Ah, ça a changé. Nous sommes au 21e siècle et les familles africaines devraient comprendre ça. Ce n'est pas tout le monde qui rêve d'être derrière un bureau ou quelque chose comme ça. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui a le sourire quand il... Même s'il est milliardaire, ce n'est pas tout le monde qui a le sourire avec ses milliards. Chez toi, ça s'est passé comment? Chez moi, c'est... Ma maman m'a dit cash. Si j'étais là, je n'allais pas chanter. Waouh! Ça, c'est la daronne, comme on dit souvent. Que là, mon petit, si j'étais là, parce que j'entends que tu fais déjà là. Parce qu'elle doutait, en fait. Elle doutait, elle m'a dit, cache que. Elle m'avait jamais écouté chanter. Oui. Elle m'avait jamais écouté chanter. Quand elle a écouté le premier projet, elle m'a dit, hey, c'est toi. Elle a commencé à aimer. Ouais. Peut-être c'est ma première fan, non? C'est ma première fan actuellement. Donc, oui. Ça va, elle me soutient. On est là.
Donc, ça allait avec beaucoup de douceur. Il a fallu convaincre. Il n'y a pas eu de rébellion aucune. Non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que je suis imposé ce que je voulais faire. Et ils ont vu que je me sens à l'aise et ça promet. Et ça promet. Il faut dire quand même que ça promet. Hein. Nous, on a vu, on a écouté. Ça promet. Ah. Alors, tu t'es lancé dans un style particulier. Tu fais dans quel style? C'est l'afrobeat. L'afrobeat. C'est quoi l'afrobeat? Vous nous perdez, hein, vous les artistes. Bah, dites-moi un peu, je veux savoir. Hein. C'est quoi l'afrobeat? Afrobeat, c'est déjà afro. C'est afro. Oui. Et il y a beat. Donc, en fait, c'est une sonorité, comme il dirait, purement africaine, mais avec un mélange externe. Donc, c'est un peu occidental avec... Oui, en fait, c'est des sonorités occidentales, mais revisitées à la manière africaine. Donc, c'est ça qui donne l'afrobeat. Tu peux avoir un zouk, mais avec des petites sonorités africaines, là, ça renvoie dans sa chance. C'est plus le zouk, ça devient autre chose. Mais comment qualifier autre chose, là? Bon, de toute façon, c'est bien. Ça a été bien agencé. Pour te dire, moi, je n'arrive pas à comprendre un peu, mais ça a été bien agencé. Alors, dis-nous quand même, c'est quoi l'histoire derrière Superman? Superman, c'est Brice qui écrit Superman. C'est pas Pharaon. C'est pas Pharaon qui écrit Superman. C'est Brice qui a écrit Superman. C'est Brice qui a écrit Superman. Alors, avec toi, maintenant, on va faire le distinguo. Ouais, on va faire le distinguo. C'est Brice qui a écrit Superman et Pharaon a chanté. Pharaon a chanté. D'accord. Brice voulait nous raconter quoi? Brice, à la base, c'est un gars très timide. Ah bon? Il est où, Brice? Il est là? Ouais. Les deux sont là. Oui, les deux bonjour, sont là. Brice. Bonjour. Alors, oui, qu'est-ce que Brice voulait expliquer? Brice, mais ça va dire bonjour. Hein, ah, oui. Il ne peut pas parler. Enfin, ouais, explique-moi alors. Bon. Brice voulait dire quoi? Brice, c'est un gars très, très timide déjà. Et ce n'est pas facile pour un gars timide d'aller se placer devant une fille. Ma chérie, tu vois là. Quand t'es fleurette. En fait. C'est très facile pour un gars timide. Oui. Les gars timides qui regardent ça, c'est un combat. Donc, j'entends, ils sont en train de dire, gars, tu as raison. Donc, on s'est dit, oui, c'est Pharaon. Oui. On s'est dit, pourquoi ne pas faire un son qui pourrait faciliter les choses. Moi, personnellement, déjà, j'ai des contacts, j'ai des amis. Oui. Eux, ils n'ont plus besoin d'aller dire, d'aller compter Ferrari, ils envoient juste le son et comprendre. Moi, en fait, c'était dans cette optique-là. En fait, donner le courage aux gars timides. Parce que quand tu vas donner le son, tu vas faire en sorte qu'elle écoute le son, qu'elle va écouter. Tu vas les aider à passer un certain message. Exactement. Parce que je reçois vraiment la chanson Superman, le message est clair. Exactement. Le message est très clair. Mais. Comme les femmes sont ce qu'elles sont toutes demandées, tu me dis quoi par là? Tu me dis quoi par là? On ne va pas parler. Je préfère laisser. Mais on sait tous que les femmes, même si elles voient, vont toujours vouloir que l'on parle. Elles vont toujours vouloir que l'on parle. Ouais. Eh bien, dis donc. Alors, est-ce que tu as combien de titres à ton actu? Trois titres déjà. Ouais. Dans tous les trois titres, tu aides. Non. C'est quoi les différents titres? On a déjà Superman. Il y a Superman, j'ai Superman, j'ai Joker et il y a la vie. Il y a la vie. Ouais. Tu as les titres compliqués. Joker, là, c'est quoi? C'est un 10? Non. Mais après Superman, maintenant, il y a quelqu'un qui vient jouer le 10. Non, non. Explique-nous alors Joker, on comprend. Joker, pour moi, c'est le titre du film. Ah, d'accord. Le titre du film Joker, ça. Personnellement, ça renvoie à moi. Je vis l'histoire de Joker, en fait. Oui. Donc, je me considère comme étant le Joker. Comme étant le Joker. Le Joker. Le Joker, c'est celui-là qui est un peu foufou avec son sourire. Bref, il a toujours le sourire, quoi. Peu importe qui. Il a toujours l'air. Donc, partout où il arrive, c'est la bonne humeur qu'il doit. Et là, c'est qui? C'est Brice, c'est Pharaon? Les deux. Les deux. Ah, on y arrive. On y arrive quand même. Mais là, j'ai vu le vidéogramme. Ouais. Il y en a qui se plaignent que l'art musical est compliqué parce que, entre le besoin de manager, de producteur, entre ce qu'il faut débourser pour avoir un bon vidéogramme, c'est compliqué. 6 mois, un vidéogramme. C'est quoi ton secret? 6 mois, c'est. 6 mois, un vidéogramme, je vais dire quoi? C'est. Déjà. Avant d'entrer dans les 6 mois, j'ai été repéré par une maison de production.
Il y a une maison de production qui m'a approché, avec laquelle je travaille, ouais, YGBC quand même. Oui. Oui. Donc c'est chez eux que je suis. C'est eux qui ont, bref, qui ont sorti le projet, qui ont eu confiance en moi et donc. D'accord. Et dans tous ces accompagnements, est-ce que tu es passé du côté de la Succinada? Tu y as pensé ou bien après, plus tard? Parce qu'on dit que la jeune génération, là, ce n'est pas ça leur souci. Hein. Je le ferai plus tard. Plus mais tard. Pour moi, déjà faire ce que j'aime, ça me va. Ah bon? Tu ne comptes pas vivre de ton art, tu ne le fais pas passer. Je vivrai de mon art. Ah, dis-nous la vérité, Pharaon. Je vivrai de mon art. Tu veux faire de la musique ton métier. Ouais. Tu dois vivre de cette musique-là. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Il y a la passion, c'est vrai, mais tu comptes bien vivre de ta musique. Ouais. Est-ce que tu penses réellement que c'est possible de faire que de la musique? Ou alors tu t'es dit, c'est mon plan A, j'ai aussi mon plan B. Parce qu'il y a les jeunes qui te regardent, hein, qui disent, je veux faire comme Pharaon. On va vivre seulement de la musique. J'ai pas de plan B. Avoir un plan B limite les chances de réaliser le plan A. Ah bon? Ouais. Donc là, tu es seulement focus d'abord sur la musique, ouais, en espérant que ça va passer. Ouais. Et quelles sont tes armes? À part peut-être la voix, on peut valider. Il y a encore quoi? Si je dévoile, mais il y a encore que l'arme. Si je viens dévoiler. Tu veux pas dévoiler? Non. Est-ce qu'on t'a chacun conseillé son secret. Tu as conseillé le look? Pour avoir un look spécial pour. Parce que c'est ça qui dérange souvent un peu les parents. Lorsqu'on voit les jeunes faire dans la musique, on se dit, mais c'est quoi ce look-là? On se dit, non, si tu pouvais les avoir courts, ça nous arrangerait. Tu garderais la même voix. Ou bien il faut le look qui va avec la Starmania. C'est pas forcément le look qui va avec la Starmania, c'est le look qui va avec ton style. Ton style. Ouais. Et le look généralement c'est quelque chose que c'est le look doit totalement aller avec ce qu'on écoute en fait. Oui. C'est bizarre quand tu vas écouter peut-être du zouk, tu vois un gars débarquer avec les tatouages. Ils aiment être bizarres. Ça fait cliché, en fait. Ils aiment être. Dans leur univers, en fait. Ils sont dans leur bulle, là. Non, c'est comme ça que ça vient. Ils aiment être clichés dans leur univers. Et après, paraît-il que dans le côté, on va dire maintenant un peu intime, ça ne donne pas trop. Hein, parce que toi, ça va quand même. Il y a des familles maintenant. Une fille va vous dire mon copain, il est artiste et tout. On va te dire. Ça passe pas. Tu n'as pas eu quelques embrouilles dès que tu t'es lancé vraiment dans le côté artistique? Oui. Dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui a changé? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce qu'au départ, il y a des gens qui croient pas. Oui. Il y a des gens qui croient pas. Ça, c'est du côté des gens qui ne croient pas en ce que tu vas faire. En ce que tu vas faire. Et donc, pour moi, ça a été comment dire, compliqué un peu. Avec ces gens-là. Oui. Mais j'ai compris que quand tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Il y a des amis qui te lâchent? Oui, beaucoup d'amis m'ont lâché. Et des amis. Ou bien c'est là qu'on s'approche même. Ouais. En fait, les vrais amis pour moi, les vrais amis étaient là avant. Les vrais amis étaient là avant. Les vrais amis sont là à présent. Ils sont là à présent. Les nouveaux, ils sont encore en période d'essai. Ils sont en période d'essai. Ouais, mais je serais aussi. Bon, déjà, 6 mois quand même dans l'univers du showbiz, j'ai envie de dire ça ainsi. Quelle est ta lecture? Est-ce que tu as eu à faire face à plus d'obstacles que de bonnes choses? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est vraiment un endroit qu'on peut vraiment conseiller aux jeunes qui nous regardent? Il faut déjà savoir que c'est une industrie. Et dans une industrie, il y a de la concurrence. Oui. En plus de la concurrence, rien n'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Donc, si tu veux te lancer, si un jeune veut se lancer, qu'il sache déjà que devant, c'est dur. Il faut travailler, il faut bosser matin, midi et soir. Mais il faut travailler. Il faut travailler, même si tu as une belle voix comme tu bois de travail. Faut travailler. C'est la seule chose, c'est le seul secret. Chaque jour, hein. Ouais. C'est le seul secret, faut travailler en fait. Alors, et si on parlait de la vie? La vie qui est sortie hier, hein, ouais. La vie. Ouais. C'est quoi le titre La vie? Qu'est-ce que ça raconte? Le titre La vie, pour moi, c'est le titre le plus personnel que j'ai écrit et fait. Donc, c'est le titre le plus personnel parce que c'est. J'ai écrit ce son avec les larmes aux yeux.
Je venais de perdre un ami, on venait de m'annoncer son décès. Ah là là, on venait de m'annoncer son décès. J'ai décidé d'écrire un truc parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup d'histoires cachées. Il y avait beaucoup d'histoires cachées. J'ai préféré écrire pour que les gens se rappellent que la vie c'est un cycle. Il y a des hauts et des bas. Et si le message que je cherche à passer aux gens à travers ce son est bien perçu, raison pour laquelle je l'ai fait en français. En français. Ouais. D'habitude, je chante en anglais. Mais celui-là, je l'ai fait en français pour que tout le monde essaie de comprendre exactement le message qui est derrière. Exactement le message qui est derrière. Et on te remercie grandement. Hein. Il faut le dire. Pensez à des amis, écrire un texte malgré la douleur qu'il y a derrière. Ouais. Ça veut dire que c'est un ami qui comptait véritablement pour toi. Il s'appelait comment? Brandon. Brandon. Ouais. D'accord. Où que tu sois, Brandon, sache que ton ami Pharaon, Brice, pense à toi et nous aussi. Hein, ça va de soi. Alors, dis-nous si on veut avoir Pharaon, qu'est-ce qu'on fait? Conduite à tenir. Pharaon, c'est un gars là-bas qui n'aime pas le protocole. Ah bon, tu n'aimes pas le protocole? C'est un gars qui n'aime pas le protocole. Tu sais que tu es Camerounais. En fait, j'ai compris avec mes gars de Nigeria, la vie, elle est simple. Elle est très simple. Donc, faut pas la compliquer. La vie, elle est simple, faut pas la compliquer. Oui. Donc, c'est facile d'échanger avec un artiste. Je croise dans la rue, c'est facile. Mais c'est quelque chose que j'ai vu ici, c'est pas facile. Ah bah oui. Hein. C'est pas facile. Même si tu le crois, c'est pas. Mais avec Pharaon, ce n'est pas ça. Ouais, tu es ouvert. Moi, je suis ouvert. Alors, les contacts, est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce qu'il y a une page sur les réseaux sociaux? Est-ce que... Pour avoir Pharaon, pour entrer en contact avec Pharaon, il y a déjà Facebook. Oui. Page Facebook Pharaon tout court. Ouais. Pharaon, Instagram Pharaon the Evil Boy. Pharaon the Evil Boy. Evil Boy. Je reviendrai sur ça. Oui, ensuite the Evil Boy. Il y a le contact WhatsApp. Oui. Ouais. Le 697 95 94 70 bon, qui est affiché au bas de l'écran. Voilà, c'est affiché au bas de l'écran. N'allez pas dire que vous n'avez pas suivi. C'est le 697 95 94 70. Je le vois très bien. Ouais. D'accord. Donc, on appelle à ce numéro. Appel normal ou WhatsApp. Hein. Enfin, toutes vos difficultés. Hein. Même par WhatsApp, ça passe. Même par WhatsApp, ça passe. Donc, c'est fini. Eh bien, dis donc, merci beaucoup à toi, Pharaon, d'être passé sur dimanche VIP. On va sortir en dégustant un extrait du titre La Vie. Ah. Allez, on déguste et on revient juste après. Et si c'est vrai, parfois faut se dire adieu. It's really hard, oh. Et je sais que ça fait mal, oh. Et c'est vrai qu'on a chacun nos défauts. C'est pour ça qu'on s'aime. Et parfois qu'on se déteste. La vie c'est dirty. La vie c'est beauty. La vie c'est dirty. La vie c'est beauty. And we love living. C'est beauty, love is a beauty, love is a beauty, love is a beauty, and we love living. Love is a beauty, love is a beauty, and we love.
sa vie, oh. Chacun ses rêves, oh. Chacun sa route, oh. Chacun son guide, chacun sa ligne, chacun sa vie, oh. Eh bien, dis donc, quel beau vidéogramme. La vie, c'est signé Pharao qui nous a fait le plaisir d'être sur Dimanche VIP. Alors, à qui le tour, hein? J'aime bien le dire ainsi parce que lorsqu'ils s'enchaînent comme ça, nous nous sentons vraiment privilégiés. Chers téléspectateurs fidèles d'Info Télévision, à présent, on va accueillir celui-là qui est déjà une grande star. On ne passe pas d'un coin sans entendre une de ses chansons, sans entendre parler de lui, parce que il a su conquérir les mélomanes camerounais. Il s'agit de Petit Virus. Bonjour à toi, Petit Virus. Bonjour, Mireille. Un virus qui est petit, hein? Ouais, comme son nom l'indique. Bienvenue à Info Télévision. Bienvenue à Dimanche VIP. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Ah ben oui. Alors, lorsqu'on entend seulement le nom, parfois on se pose beaucoup de questions. Non seulement tu as un virus, parce que tu as beaucoup d'effets, c'est vrai, des effets positifs, hein, parce qu'on danse bien sur tes chansons, mais un petit virus, qu'est-ce qui t'a inspiré réellement un peu ce nom, Petit Virus? Ah, Petit Virus, déjà, ça vient de ce que je fais, oui. Qui est le rythme mbolé. Le rythme mbolé. Oui, un peu comme Petit Malo. Oui. Petit Beaux-Arts. Petit Beaux-Arts. Dans le rythme que nous faisons, on a. C'est comme une coutume, quoi. Oui. Donc, tout le monde a. Presque tous les artistes mbolés ont un petit devant avant que le nom d'artiste ne suive. C'est un peu ça. Eh bien, dis donc. Mais des petits qui sont déjà véritablement grands, hein, ça, il faut le dire. Ces noms que tu as cités, waouh, on ne s'en lasse même pas un seul jour. On parle du Mbolé, Mbolé Revolution. Mais si on se concentrait un peu sur toi, il faut dire qu'on t'a beaucoup connu d'abord dans la danse. Hein. Tu voyais beaucoup comme danseur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te lances dans l'univers musical? Tu t'es dit, j'ai assez dansé. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non, déjà, étant danseur, je faisais déjà, je chantais déjà, en fait, je faisais déjà dans les animations. Dans parce les que animations, le mbolé, c'est l'animation. Je faisais déjà dans les animations et j'étais danseur, j'accompagnais toujours Petit Malo. Oui. J'accompagnais l'artiste One Love, l'artiste Jean-Pierre Sommet. Bon, j'ai choisi de faire maintenant le rythme mbolé parce que je me suis senti dans ça, parce que ça parle, nous sommes les enfants du ghetto, on sort du ghetto. Donc, le ghetto me parle, moi. Oui. Et du coup, je me suis décidé de me lancer dans la chanson et d'abandonner la danse. Et d'abandonner la danse. Ouais. Alors, une fois dans l'univers musical, est-ce que tu as ressenti un grand changement? C'est vrai que tu accompagnais déjà souvent certains, mais maintenant, quand tu te lances concrètement, j'ai envie de dire un peu à 100%, est-ce que tu as ressenti une grande différence? Bien sûr, il y a une grande différence, c'est vrai. Quand j'ai déjà abandonné la danse, oui. Je n'ai pas abandonné la danse totalement. Pas parce totalement. Que même dans mes spectacles, mes shows, je danse toujours. Donc, je ne peux pas dire que j'ai abandonné la danse. Déjà, artiste et musicien, je me sens vraiment à l'aise. Je ressens un changement puisque déjà, ça se constate même quand les gens m'écrivent. Oui. Tout et tout, ouais. Aussi, remarque, ils se disent que wow, vraiment tu as osé et c'est bien. Mais est-ce que tu penses que tu es resté le même? Bien sûr. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui t'a dit que Petit Virus, toi là, tu changes déjà, hein? On ne te connaissait pas comme ça? Non, jamais. Tu sais que tu es resté le même? Je suis resté le même et je resterai toujours le même. Tu as gardé les mêmes amis? Pas tous, pas tous, mais j'ai gardé la majorité.
La majorité, quand même. Oui, quand même. Alors, si on s'intéresse bien là à l'univers du Mbolé, qu'est-ce que le Mbolé en lui-même? C'est vrai, on aime souvent à dire que les chanteurs du Mbolé parlent pour le ghetto, mais au fond, c'est quoi en fait lorsqu'on parle de Mbolé? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Le Mbolé, c'est une expression de joie en toutes circonstances. En toutes circonstances. Oui. Donc, le Mbolé, c'est un rythme toujours. Donc, ça exprime rien que la joie. Oui. Uniquement la joie. Parce que déjà, si on a commencé à expliquer dans les veillées, oui. Sachant que les veillées, c'était pour les pleurs, pour un moment de tristesse. Un moment de tristesse. Et puis maintenant, le Mbolé intervient, on anime. Tu vois, les gens aiment, s'enlèvent la tristesse. S'enlèvent les larmes. Ouais. Donc le Mbolé a toujours été une expression de joie en toutes circonstances. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est donc une sorte de philosophie de vie, hein? Oui, en fait. Et lorsque on parle de Mbolé, le message, on le transmet à qui? À toutes les générations, les jeunes, les adultes? Tout le monde est concerné dans le Mbolé parce que je suis sûr de moi que la majorité qui écoute nos chansons s'y retrouve quelque part dans un texte. Dans un texte. Ouais, ou dans un couplet, je ne sais pas trop. Bon, je suis de moi que c'est ainsi que ça se passe. Et moi, pour selon moi, oui. Tout le monde s'y trouve dans le Mbolé. Eh bien oui, alors, si on parlait de ces textes-là, comment est-ce que Petit Virus procède hein, pour écrire ces textes? C'est lui qui les écrit ou bien il y a quelqu'un qui écrit, il pose la voix? Petit Virus, il n'y a personne qui écrit pour lui. Ah bon, c'est toi qui écris? Lui-même, il n'écrit pas. Ce que je fais au studio, c'est de l'improvisation. Oui. Ouais, j'improvise en plein studio. J'essaie d'assembler les paroles. Oui. Et puis, l'arrangeur me dit, vas-y, entre. Dès que tu te sens, tu entres, tu poses. Et bam, c'est lancé. Ce n'est pas donné quand même. Hein. C'est quoi ton secret? Tout le monde fait, peut pas comme ça entrer en studio et dire, bam, j'ai eu l'inspiration. Mon secret, c'est juste que dans toutes mes chansons, presque toutes mes chansons, oui. Je parle toujours de ce qui se passe dans la des vie. Des réalités. Oui, des réalités de la vie, de tout ce que je vis autour de moi. Donc, c'est grâce à la vie quotidienne que je trouve mon inspiration. C'est grâce à la vie quotidienne que Petit Virus trouve son inspiration. D'ailleurs, je vous propose, avec ta permission bien sûr, de déguster à présent un de tes titres. Il s'agit de l'envol du Mbolé. On déguste hein, et on se retrouve tout juste après. C'est encore Petit Virus, l'ondolet des pros. Voici venu alors l'histoire de Mbolé. Hey, à ma mix. Mbolé Revolution, hey. Ma maman m'avait dit Petit Virus. Petit Virus. Tu sais, dans la vie, faut jamais baisser les bras. Faut toujours garder espoir. J'ai mis ses conseils en pratique. J'ai compris la réalité. Petit Virus détecte les gays. Je veux pas nous le nomba tout. Je veux pas nous le nomba tu. Ce que je sais, je suis le number one. Et aussi le doulet des pros. C'est pourquoi je viens vous peinturer. Les carrés, ça c'est quoi? Ça c'est le Mbolé. Ça c'est le Mbolé. Appelez ça Mbolé. Ensuite avec un bête en loyer. Aristide Papo a pris les choses. Petit Malo a développé. Et Petit Virus a récupéré. Les mouléens, il faut les venir pour vaniter. Ça c'est quoi? Ça c'est le Mbolé. Ça c'est quoi? Ça c'est le Mbolé.
choisi pas des tribus. Est-ce que tu as nos les bagages du volé? As-tu goûté au froid du volé? Bada l'ombolé, ça ne donnait pas. Est-ce que tu as sympathisé les taxis? As-tu nos les chabames du volé? Car on nous traitait même de voyous. On est tu as tourné le dos à ton fil. Tu joues les bosses du volé, les gars, ça c'est quoi? Ça c'est le volé, oh. Ça c'est le volé, oh. Appelez ça volé, oh. C'est le mambolé, oh. Oui, en chalène, ça c'est quoi? Ça c'est le volé, oh. Ça c'est le volé, oh. Appelez ça volé, oh. Que tu sois le Kondongo, que tu sois des Mamba, que tu sois la Kissa, que tu sois des Somba, que tu sois le Bogada, que tu sois des Ligetua, que tu sois des Sos. Arr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 r
Oui, Petit Virus, j'ai fait la signature dans une maison de production appelée Wanko, la SAP Mondial Production and Management. Ouais. Donc, Petit Virus, désormais, a un producteur, un manager. Oui. Ouais. C'est un peu ça. J'ai toute une équipe de travail, des communicateurs, wow, des danseurs, tout ça. Reste le même, hein, ouais, malgré toute l'équipe qui sera derrière. J'espère que tu vas rester le même. Toujours et toujours. Et lorsque finalement tu as atteint ce niveau, j'ai envie de dire, comment est-ce que tu te sens? Tu te dis, c'est vraiment le travail qui paye? Ouais, je me dis, c'est vraiment le travail parce que j'ai beaucoup travaillé. Et si j'étais, je vais te dire comment, j'étais s'il y avait, je sais pas trop, un sang faible, quoi. Oui. J'allais déjà abandonner depuis parce que j'ai traversé pas mal d'épreuves. Oui. Mais je me suis dit, comme je l'ai dit si bien dans la chanson, ma maman m'avait dit de ne jamais baisser les bras. Oui. Je me suis dit, c'est pas le moment de baisser les bras. Et puis, j'ai continué à bosser. Ouais. Alors, tu n'as pas baissé les bras. Et si on parle même de maman, de la famille en général, tu reçois quand même leur soutien, leur accompagnement. Énormément, énormément d'encouragement de la famille tous les jours que Dieu a créés. Des bénédictions venant de maman, de papa, chaque jour, je me sens vraiment aimé, quoi. Tu te sens vraiment aimé, ouais, et accompagné. Mais qu'est-ce qu'on aime vraiment te suivre? Mais Petit Virus, dis-nous quand même, avoir un vidéogramme comme ça, ce n'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Comment on s'y prend? Donc, quand on dit que vraiment, eux, ils font même comment? Avoir un vidéogramme, déjà, il y a des réalisateurs un peu partout. Petit Virus, moi, je me suis, parce que c'est mon tout premier vidéogramme, oui, d'abord. Je me suis battu avec l'aide de certains amis, oui, de certains grands frères aussi qui aiment bien ce que je fais. Qui croient en toi. Oui, en fait, bon, ils m'ont aidé et j'ai fini par réaliser mon tout premier vidéogramme. Ah ben oui, et c'est réussi, hein. C'est, merci dire, beaucoup, merci. C'est réussi, le talent est au rendez-vous, les sonorités, oh là là, parce qu'il y en a qui se disent, Lombolé, c'est un peu du n'importe quoi, mais là, on voit un travail qui est bien organisé et on apprécie, on a souvent envie de dire, waouh. Alors, c'est quoi tes projets actuellement? On a pu avoir le premier vidéogramme, qu'est-ce que Petit Virus se prépare actuellement? Petit Virus, je prépare, puisque je suis en plein tournage de mon deuxième vidéogramme. Oui. De ma chanson intitulée Inspiration. Inspiration. Ouais, donc Petit Virus, je suis en plein tournage. Et je promets, c'est ce clip-là que je vais vous livrer très bientôt. Très bientôt. La promesse, ouais, Petit Virus, dit encore. Très bientôt. C'est toi qui parles, tu promets. Et aussi, il y a une autre chanson, oui, qui est en cuisine, intitulée Les Faux Amis. Les Faux Amis. Oui, je crois bien qu'il sortira ce mois d'avril, oui, le mois d'avril prochain. Avril prochain, ouais, avril 2021. Oui, bien sûr. Donc, ce sont les projets que Petit Virus a pour le moment. Et aussi, j'aurai un an de plus ce samedi prochain. Dis seulement le lieu, non? Dis le lieu. Oui, Petit Virus, je vais le fêter du côté de Sumba au Snap. Bah, le d'accord. Le d'accord. Ouais. On va fêter les un an de plus là-bas. Ouais, ça va faire quel âge, Petit Virus? L'âge est encore petit, mais il est déjà grand, plus que Petit Virus. Là, je vais avec Petit ça Virus. Ça va avec Petit Virus. Oui, je préfère rester dans la confidentialité. C'est un an de plus, ce qui est sûr. C'est qui est sûr. C'est un an de plus. Vous n'allez pas trouver 10 bougies, 20 bougies. Non, il y aura ce sera plus seule. Un. Voilà. C'est un an de plus. Déjà, un happy birthday de chez Happy Birthday. Merci. Par anticipation à toi. Que merci le Seigneur beaucoup, puisse bien continuer à te bénir ainsi. Amen, amen. Pour nous sortir de belles sonorités. Alors, si on veut avoir Petit Virus pour un événement, peu importe, comment est-ce qu'on doit procéder? Je pense bien qu'il y aura un numéro communiqué, oui, tout à l'heure, le numéro de mon producteur, manager général. Oui. Ouais, c'est par lui qu'on passe, vous le contactez et directement, vous aurez Petit Virus. Voilà, donc la grande équipe de production qui est derrière Petit Virus est disponible. Vous pouvez passer par le canal d'info télévision pour avoir tous les contacts. Hein. Et ce sera fait. Ne croyez pas que Petit Virus est inaccessible. Alors, dis-nous quand même, on peut avoir à cappella de quoi? Inspiration ou bien Les Faux Amis? Je vais choisir Les Faux Amis. Les Faux Amis, ouais, d'accord. On dit que dans la vie, il faut savoir choisir ses amis. Car ici, d'ailleurs, il y a trop de faux amis. C'est le genre d'amis devant les gens, vous êtes unis.
mais dans ton dos toujours là pour tes nuits, te salir et aussi te détruire. Je vous assure, ce genre d'amis sont des vampires. En réalité, je sais de quoi je vous parle. Moi, petit virus, je suis une victime. Eh bien, dis-donc, une victime. Tu as eu les faux amis? Ouais, j'ai eu plein de faux amis, plein de faux amis. Je ne sais pas si c'est moi qui ai été le problème ou eux, mais ce qui est sûr, je me suis senti offensé d'un côté. Bon, j'ai eu à tourner la page, c'est pourquoi au début de la chanson, je dis une fausse amitié est pareille à une injure. Oui. Lorsque dans la vie tu étais déçu, le seul, je ne sais pas appeler ça comment. Ça peut être qu'un réconfort, ça peut être. Le seul moyen, c'est l'oubli, quoi. On peut oublier, tu oublies, ouais. Un peu on vient avec, mais sens, on essaye. Hein. Oublier n'est pas souvent facile, un petit virus, ça, il faut le dire. Ah. Tu as oublié ou bien? Moi, j'ai déjà oublié. Justement, c'est pourquoi j'ai tourné la page. Oui. Et en chantant cette chanson qui va toujours me soulager. Oui. Ouais, ce qui va toujours m'accompagner une fois de plus pour m'aider à oublier plus davantage. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai sorti cette chanson. Qu'on attend avec impatience. Alors, un message, un dernier message à l'endroit de tes fans qui te regardent cet après-midi. Qu'est-ce que tu leur dis? Je vais demander à tous mes fans de rester scotchés, de toujours être bien connectés pour être à la page de mes actualités. Mais par ailleurs, je vais aussi leur demander que dans la vie, il faut beaucoup bosser. Il ne faut jamais baisser les bras parce qu'il faut toujours oser, quoi. Il ne faut pas être là à envier les gens parce que tel et tel, il faut que tu sois comme ça. Chacun a sa manière de réussir dans la vie. Chacun a son étoile, quoi. Donc, ce que je vais dire à mes fans, c'est de toujours y croire en soi-même, toujours bosser, et c'est un peu ça. Toujours bosser, toujours croire en soi-même. Merci beaucoup à toi, petit virus, merci d'avoir aussi répondu présent à notre invitation ce dimanche VIP. Le plaisir partagé. Voilà, mon Dieu. On aura reçu un petit virus qui nous aura tout dit sur son actualité. Et je vous assure, ce n'était pas la dernière des surprises. On se prend une bonne transition et on revient avec un lot de surprises encore. Eh bien, dis donc, c'est toujours dimanche VIP hein, qui continue, on l'aura dit, beaucoup de surprises, beaucoup de belles choses parce que nous vous permettons de toucher un peu du doigt. Hein, c'est bien importantes personnes que nous voyons souvent à la télé, ces personnes qui nous font danser. Hein. Il faut dire que leur rôle est très important dans la société parce que un coup de stress, un coup de fatigue, on a envie de baisser les bras. Allez, on écoute une bonne chanson et puis on se remet sur pied, ça il faut le dire, et on leur dit grandement merci. Celle que je m'en vais accueillir à présent est une grande dame, une grande dame qui fait également dans la musique, qui sait poser les mots juste sur les bons accords. Il s'agit d'Amel Diamant. Bonjour Amel Diamant. Bonjour Muriel. Tu secoues la tête, c'est vrai non? Je ne peux pas mentir. Admire, j'ai la pièce, comment? Hein? Non. Tu ne sais pas que tes sonorités là, quand on écoute ça, on se dit waouh, Amel Diamant fait fort. Merci. Elle est vraiment un diamant. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à Info Télévision. Hein. Bienvenue sur le plateau de dimanche VIP. Comment vas-tu? Bien, bien, en forme. Tu es en forme. Nous sommes très honorés de t'avoir ce dimanche parce qu'on sait que le dimanche, c'est pas souvent évident. Hein. Alors, si tu n'avais pas été à Info TV, tu allais être où? On a gâté quel programme? Dis la vérité.
Le programme, c'est le soir généralement. Ah, c'est le soir généralement. Oui, oui, oui. Ok, je vais m'accrocher, on va aller ensemble. D'accord. Alors, pour l'instant, il y en a qui regardent, qui disent Amel Diamant, elle va se présenter à vous, il n'y a pas de souci. Amel Diamant, c'est forcément le nom d'artiste, je pense. Hein. Oui, oui. Alors, qui se cache derrière le personnage Amel Diamant? Elle est camerounaise, elle est antillaise. Dis-nous tout, hein. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ngélé Régine Diane. Je suis d'origine du centre. Du centre. Centre Cameroun. Oui. Chez l'Envele et Nkwe, du côté de Mbalmayo. À Komiara. Voilà. Donc, voilà un peu mon identité. Armel Diamant vient de. J'ai un petit sobriquet qu'on m'appelle toujours à la maison, maman. Oui. Que j'ai pris, comme je le prénom Diane. Diane, oui. J'ai pris maman et Diane. Oui, ça fait Diamant. D'accord. Alors, là, on comprend un peu mieux. C'est vraiment Diamant. Et ça donnait tout simplement une Camerounaise 100% qui fait dans la musique. Oui, on l'aura dit. Alors, à quand date un peu tes débuts dans la musique? Dans les chorales, depuis que je suis toute petite. Dans les chorales. Oui, mais dans, je vais dire, milieu showbiz dehors, ça fait pratiquement bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans dans le showbiz. Oui, oui. Alors, tu as commencé en tant que quoi, en faisant les chœurs, en faisant les débuts dans le showbiz, alors raconte-nous. En tant que choriste. Oui. Comme je fonctionne beaucoup plus avec le balafon. Oui, oui. À l'époque, c'était la couronne derrière le carrousel. Oui, oui, oui. C'est là où j'ai commencé par les chœurs. Ensuite, je me suis retrouvé du côté des tocs. Oui. À l'époque. Donc, c'est comme ça. Ah, j'ai l'impression que certains vont maintenant dire, ah, je vois un peu le visage. Quand je partais souvent, ah, ben oui, c'est elle aujourd'hui. C'est elle aujourd'hui. Alors, après, tu t'es décidé à véritablement lancer ta carrière. Bien sûr, je suis dans un groupe appelé Bantu Jazz. Bantu Jazz. C'est le groupe qui m'a formé. Oui. J'ai eu à faire, on a eu à faire son deuxième album. Oui. Mais c'est mon premier maxi single en carrière solo. Ah. Mais je fonctionne toujours avec mon groupe. Avec le groupe. Oui, oui. Alors, mais une fois que tu as dit, bon, je fais quand même la petite carrière solo, mais on est toujours ensemble, il n'y a pas eu de problème quand même. Non, non, non. Il t'encourage, il t'accompagne. M'encourage. Eh bien, dis donc. Alors, quand tu t'es lancé dans ta carrière solo, tu t'es concentré dans quel rythme? Le bikutsi. Le bikutsi. Eh bien, dis donc. Et tes textes, comment est-ce que tu procèdes? C'est toi-même qui as une inspiration, qui écrit un texte? Oh oui. Généralement, dans ma musique, je parle de moi. Je parle de ce que je vois aussi dans la société. Oui. Tu parles de toi pour exprimer peut-être tes douleurs, ta joie. Oui, oui. Donc, tu te bases sur des faits réels. Soit ce que tu vois, soit ce que tu as vu dans la, bien sûr, dans la société. Et est-ce que c'est vraiment facile d'écrire sur soi, sur ce qu'on ressent réellement? Ça dépend de tout un chacun. Plus on le fond, mais on se demande, est-ce que ça aide d'une certaine façon? Si, ça aide énormément. Moi, ma musique, c'est ma thérapie également. Voilà. Donc, quand je suis triste, quand je suis trop fière, c'est la musique qui... Non, ça marche dans les deux cas. Oui, oui. Beaucoup de joie, beaucoup de tristesse. Il y a l'inspiration qui va avec. Et depuis que tu t'es lancé de façon un peu solo, tu as ressenti une différence? Il y a beaucoup d'obstacles? C'est facile? Pas du tout. Surtout au plan promotionnel, c'est pas évident. C'est compliqué, mais bon, se bat. C'est quoi les principales complications? Déjà, faute de moyens et nos frères qui ne veulent pas peut-être aider les jeunes qui se battent, qui ont pourtant le Cameroun a des talents. Des talents. Mais bon, c'est pas facile. Tu peux arriver dans un endroit, on te regarde, on va même programmer des personnes qui ne peuvent même pas mieux faire que toi, mais c'est la relation. Le monde des relations. Le monde des relations. Mais c'est que sûr, tu persévères, tu travailles. Bien sûr. Tu n'as pas déjà eu envie une fois d'abandonner, de baisser les bras? Avec la musique, non. Ah bon? C'est une histoire d'amour. C'est ma passion, en fait.
avant toute chose. Oui. Il y a des difficultés, mais je n'ai jamais eu l'idée d'abandonner. Si. Mais j'ai déjà eu trop de difficultés. Hein. Ah oui. Milieu professionnel, parfois les cas de maladie, les cas d'empoisonnement oui. qui pouvaient vraiment me faire baisser les bras. Mais bon, je suis revenue. Tu t'es dit, donc j'avance, je fais ce que je sais faire. Voilà. Je n'ai pas volé ça quelque part. C'est la passion qui parle. D'ailleurs, on va vous inviter à découvrir un vidéogramme d'Armel Diamant. Le titre, c'est Azomou. J'ai bien prononcé? Bien sûr. Allez, on y va et on revient juste après. Oh, monsieur, stop! C'est quoi? Tu m'empêches déjà d'entrer chez moi? Ça signifie quoi? C'est qui ici? Quoi que quoi? Quand j'ai crié à l'hôpital pour les petits garçons, tu étais avec moi. Et on veut que les maillots. On est loin, mais. Azamboam, je rêve ou quoi? Ma soeur, ça veut dire quoi ça? C'est comme ça tous les jours, ma soeur, comme tu vois là. Et tu ne peux pas mettre fin à ça? Non, je supporte. C'est mon mari, ma zombie, mes voyants. Tu penses quoi? Zumba, 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 z
Azombo, Azombo. Arbel Diamant, c'est quoi l'histoire derrière Azombo? Azombo signifie supporter. Supporter. Oui, oui. Je parle de la vie de tous les jours, de toutes les façons. Chacun supporte à sa manière. Ah, oui, oui. Tout ce qui nous arrive dans la vie, des problèmes. Moi, ici, je parle de mon cas. Oui. J'ai perdu mes parents. Oui. Surtout ma maman, ça m'a tellement touché. Parce que je perds ma mère. J'avais un contrat avec le casino en décembre. Oui. Maman décède à 11h. Et je devais prester à midi. Wow. Il fallait aller garder le corps. Quelle dure épreuve. Ah oui. Mais j'ai presté. Malgré tout. Malgré tout. J'ai chanté. Wow. Oui, oui. Ça n'a pas été facile. Pas du tout. Mais eh bien, dis donc. Vraiment, nos condoléances, c'est pas facile. Ça, ce sont les réalités du métier. Ça, il faut le dire. Et voilà, hein, comment est-ce que les artistes ont fait tout pour les fans, comme s'ils ne savent pas les combats qu'il y a derrière. Il faut répondre présent. La signature d'un contrat, c'est la signature d'un contrat. Il faut valider son cachet, sinon. Il faut quand même dire que ce grand travail que nous apprécions aujourd'hui, vous le faites seul. Il n'y a pas un producteur vraiment derrière Armel Diamant. J'ai pas de producteur. Sont mes petits efforts personnels. Oui. Donc ici, on attire quand même hein, tous les producteurs qui se disent friands de talent. Voilà le talent. Il n'est même pas l'état brut, comme on dit souvent. Ça, c'est... Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. J'ai envie de dire, waouh. Mais c'est quoi votre secret, Amel Diamant? C'est seulement les chorales, là. Je ne sais pas trop. Ou bien les c'est chorales, un don, les... le don et beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Ajoutons le don, là. Il faut travailler chaque jour, quand même. Bien sûr. Il faut toujours travailler jusqu'à... On va penser qu'on est déjà arrivé. Non, jamais. Hein. Déjà, moi, je ne suis pas arrivé. J'apprends encore. On apprend encore. Alors, c'est quoi l'actualité d'Armel Diamant? Qu'est-ce qu'elle nous prépare? C'est vrai que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'elle nous prépare quand même dans l'attente d'un producteur qui saura reconnaître en elle ce talent que nous avons pu apprécier? Qu'est-ce que vous préparez? C'est quoi votre actualité ces derniers temps? Je prépare... la sortie officielle du maxi single. Oui. En avril, fin avril. Fin avril 2021. Oui. Du côté de Planète Ponce. Oui. En Sam Dongo. Chez la maman. Oui. Chez la maman. Oui. Donc, c'est un peu ça pour l'instant. C'est ça que vous êtes un peu concentré. Oui. Oui. Mais si actuellement il y a quelqu'un qui veut avoir les contacts d'Amel Diamant, il y a quelqu'un qui veut Amel Diamant, comment est-ce qu'on fait? Mais prends juste le contact, oui, qui est le 697, oui, 39 1403. Ou alors tu tapes Armel Diamant sur Facebook. Sur Facebook. Armel avec un L. Avec un seul L. Oui. D'accord. Armel Diamant sur Facebook avec un seul L. Et puis on a le numéro de téléphone. Faut... Vous allez répéter le numéro. Le 697 39 1403. 1403, j'ai retenu les quatre derniers chiffres. Il n'y a pas de souci. Si vous avez oublié, vous contactez l'équipe d'Info Télévision et on va vous passer le contact d'Armel Diamant qui a vraiment besoin d'un producteur, hein, parce que seul, ça ne peut pas se faire. Là, le talent, le don, le travail qui va avec. Et nous savons que le producteur est là, il est en route. Ah, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci. Donc, merci beaucoup à vous, Armel Diamant, d'avoir fait le détour du côté de Dimanche VIP. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui vous ont découvert aujourd'hui? Je remercie déjà Info TV, oui, qui a bien voulu me recevoir. Oui. Je dis merci d'abord et j'espère que je vais vous plaire. Hein. Ça dépend de tout à chacun. J'espère que je vais vous plaire. Merci à tout le monde. Et elle est disponible. Merci beaucoup à vous, Armel Diamant, et bonne continuation avec notre groupe de Balafon. Hein. Merci. On va se voir, ça c'est sûr. Et bien, dis donc, c'est Dimanche VIP. Hein. On l'aura dit, Dimanche VIP avec de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on déniche de bons talents pour vous? Hein. Tout ceci, c'est pour vous. On a dit, on prépare la semaine ensemble de façon relaxe. D'ailleurs, je sais hein, que vous aimez bien vous faire chouchouter, vous aimez bien faire attention à votre corps, à votre bien-être. Et on a déniché un institut de beauté où les services sont vraiment magnifiques, où on se sent chouchouté, vraiment, on ne peut plus, il n'y a pas mieux. Et on va aller ensemble. Il s'agit de l'institut de studio. On regarde le vidéogramme.
manucure est un processus qui permet de nettoyer les pieds en profondeur du client. Ça, et le poisson se charge de manger les bons mortes sur les pieds du client après avoir désinfecté et nettoyé les ongles de l'autre côté là-bas. Et pour finir donc, le poisson se charge de faire le travail que nous, esthéticiens, ne pouvons pas faire en profondeur. Le premier avantage du poisson, c'est qu'il peut, avec son museau, entrer dans l'ongle, nettoyer, enlever tous les déchets qui sont à l'intérieur de l'ongle. Et son deuxième avantage, c'est qu'il fait un léger massage. Il relaxe le client, le détend. Et certains clients pensent même que ça chatouille. Bon, ça a un effet apaisant. Ah oui, nous vous encourageons à venir aussi nombreux que possible, découvrir la fiche pédicure et vous nettoyer les pieds en profondeur. Un projet voilà, qui a été conçu à la base et pensé voilà, par mon épouse. Donc moi je suis juste là, j'étais là pour l'accompagner dans le projet et aussi parce que bon c'est un domaine d'activité quand même voilà où il manque disons au niveau du Cameroun il manque certaines innovations. Donc elle a eu l'idée elle de ramener pour la première fois au Cameroun la fiche pédicure. Donc vous voyez tout le dispositif qui est installé, c'est après beaucoup de travail justement. Donc ça n'a pas été facile, mais pour arriver à mettre tout ça sur pied. Je crois que l'intérêt déjà, c'est de voir le projet réussir. Et puis le but lucratif, même si on a le temps, on investit. C'est vrai, on veut toujours gagner, mais il y a un côté personnel qui est de voir ce qu'on a fait, ce qu'on a voulu bâtir, réussir. Et voilà. Le bon petit détour pour le bien-être. Eh bien, oui, hein. Le lieu, c'est deux studios. C'est au quartier Bastos. Il y a de bonnes choses quand même au Cameroun. Hein, ça, il faut le dire. Au fur et à mesure que le temps passe, on commence un peu à délocaliser ce que les uns et les autres aiment bien aller récupérer à l'Occident. Il y a déjà ça ici. Hein. Mais les petits poissons, là, pour dire vrai, moi, je ne peux pas encore essayer. Hein. On est sûr qu'ils vont se voir ranger les petits peaux mortes. Bon, il a dit oui. Les poissons, là, savent vraiment ce qu'ils peuvent faire, donc ils font leur travail, n'ayez crainte. Et le service, il est réellement professionnel. Donc, si on vous propose cela ce dimanche VIP, c'est que c'est testé et approuvé. D'ailleurs, vous avez un institut, vous avez un service, vous avez des produits que vous offrez. N'hésitez pas à nous contacter. On va tester, on va approuver et nous allons faire votre promotion. Donc, n'ayez pas peur. Contactez-nous, tout est possible. Alors, on va continuer à accueillir les VIP. Et ce sera après une petite transition. Alors, on s'est fait bien fait chouchouter, c'est bon, on sent bien. Alors, on va accueillir actuellement le groupe White Bantu. Il faut dire que ces derniers temps, sur la toile, on voit ces deux jeunes gens, on voit un beau petit garçon, une belle petite fille qui nous intéresse, qui nous attire, qui poste des vidéos ô combien intéressantes. Et on se demande, c'est quoi le projet? Comment ont-ils fait pour être si vaillants? On les a dénichés et on les a amenés sur le plateau de Dimanche et VIP pour essayer de comprendre le phénomène White Bantu. Bonjour à vous. Bonjour à Miguel. J'ai dit quoi? Miguel ou bien Miguel? Miguel? D'accord. Bonjour à toi, Miguel. Merci. Bonjour à Mireille. Bonjour. Là, j'ai bien prononcé. Non, avec toi, c'est facile. C'est Mireille. Il n'y a pas Mireille. C'est Miguel qui est la star. Et bonjour, bien évidemment, à Augustin Bilunga. Bonjour. Et comment surtout, allez-vous? Je me porte bien.
Et je voudrais profiter également de l'occasion pour saluer les millions de téléspectateurs qui sont en ce moment connectés, et surtout ceux-là qui suivent les White Bantu. Ceux-là qui suivent les White Bantu. Eh bien, vous n'en rêvez pas. À dimanche, VIP, bon, faites tout pour les dénicher. Ils sont si jeunes, ça, on peut vous l'affirmer, ils sont vraiment jeunes. Alors, on aimerait comprendre, c'est quoi le concept White Bantu? On aura vu Miguel, il a 11 ans, je pense bien. J'ai dit, waouh, Mireille qui a 13 ans, ils sont si jeunes, mais déjà avec beaucoup de maturité dans leurs actions au quotidien. Bon, heureusement qu'il y a des adultes qui les encadrent et qui vont pouvoir nous expliquer un peu le phénomène, entre guillemets, White Bantu. White Bantu. Voilà, merci de l'opportunité que vous nous offrez au travers de cette plateforme, d'ailleurs VIP, comme vous l'avez dit. Et White Bantu, c'est le résultat des efforts cumulés entre des jeunes qui se sont mis ensemble, histoire d'accompagner d'autres jeunes qui ont un talent, qui ont des œuvres à faire valoir, du genre donner un coup de pouce à notre manière et surtout à notre niveau. C'est donc ainsi que dans cette lancée d'accompagnement, on sera marqué particulièrement par le talent, on va dire ainsi, par le caractère même de Miguel et Mireille, parce que en dehors de leur, si on peut le mettre entre guillemets, leur handicap, ils ont su, ils le savent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, ils le prouvent, dompter leur incapacité à être comme nous autres. Ils arrivent à faire de très belles chansons. Quand tes enfants chantent, vous avez l'impression que vous êtes en train de voyager. Vous n'avez tout simplement qu'à fermer les yeux pour vous concentrer. C'est comme si c'était une simple prière qu'ils étaient en train de dire. Et c'est tellement bien. Donc, le concept afro, sans complexe à la base. Afro, tout ce qui est africain. Et puis, sans complexe, genre, faire valoir ce qui est africain sans toutefois avoir la prétendance de copier ailleurs. Oui. Sans toutefois vouloir faire trop beau, en fait. Sans toutefois vouloir truquer la vérité qui est la réalité. Donc Afro sans complexe présente Mireille et Miguel comme de jeunes enfants qui sont albinos et qui chantent merveilleusement bien. Pas que Miguel se fâche, il a dit Miguel. Tu continues avec Miguel. En fait, pour la petite histoire, Miguel, moi je vais me l'appeler ainsi, c'est un petit voisin, c'est un enfant au quartier. Oui. Donc vous comprenez qu'il y a déjà une relation qui est entre nous. Donc je suis un peu comme son grand-frère en fait. Et donc, même s'il se fâche, ce ne sera pas trop grave. On va arranger à la maison, Miguel. Vous allez arranger, de toute façon, on arrange toujours. Alors, Mireille, ça va bien? Ça va bien, tantine. Ça va très bien, tu es sûre? Allez, comment ça va? Faut pas être stressé, hein? Il n'y a rien. Et Miguel, ça va? Ça va très bien. Alors, dis-nous quand même, ton nom entier, c'est quoi, Miguel? Mon nom, c'est Ngwemniabe Pascal Miguel. Ngwemniabe Pascal Miguel. Tu as quel âge? J'ai 11 ans. Tu as 11 ans. Tu vis où? Tu vis à Yaoundé? Tu vis à Douala? Tu vis où? Bon, actuellement, je vis à Obala. À Obala. Oui. On dit souvent Obé, c'est ça? Et j'aime bien, il dit actuellement Obé. Mais là, quand vous allez entendre que Miguel est déjà parti, il est parti. Mireille, ton nom entier, c'est quoi? Je me nomme Mbanyabe Séraphine Mireille. Oui. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Tu vis aussi actuellement à Obala? Oui. Alors, Miguel, vous êtes frères? Ils sont frères et sœurs? Oui, ils sont issus de la même famille. Alors, on a toujours tendance à croire que ce sont des jumeaux. Aucun nom. Aucun nom, c'est le petit frère. J'espère qu'il ne dérange pas Mireille, la grande sœur. Alors, tonton Augustin, j'en ai dit ça ainsi, a dit que vous avez de belles voix. Ils ont déniché vos talents et ils se sont dit, on va encadrer ces jeunes enfants. C'est vrai qu'on dit souvent, entre guillemets, qu'être albinos peut constituer un handicap. Mais moi, je ne vois aucun handicap. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à cela? Je commence par Mireille. Non, je n'ai pas encore rencontré les difficultés. Oui. Donc, en famille, il y a le soutien à l'école. Donc, il n'y a pas quelque chose qui a pu te heurter par rapport à ta couleur de peau. D'accord. Et Miguel? Merci. Moi, je suis sage. Hein? Je dis Miguel. Alors, quand on m'a dit que vous savez chanter, c'est vrai ça? C'est ça. C'est sûr, là, c'est la vérité? C'est sûr. Alors, vous voulez me faire un a cappella ensemble ou bien chacun séparément? Pour que je vérifie si vous savez chanter. A cappella ensemble. Ensemble? Oui. Les deux en même temps? Oui. Mireille, tu es d'accord? C'est le petit frère qui décide. Moi, je veux qu'il nous fasse, c'est un peu tout. Alors, Miguel, vas-y d'abord seul.
enfants du monde entier le vont pour sauver l'humanité et mon notre destin entre nos mains le vent. Nous sommes l'avenir de demain et mon. Eh bien, dis donc, Mireille, à toi le tour. Enfants du monde entier, levons-nous pour sauver l'humanité et mon notre destin entre nos mains. Levons-nous pour l'avenir de demain et mon monde meilleur. Vivre dans la paix et le bonheur. Eh bien, dis donc, on applaudit là. Maman Sarah, le talent là vient d'où? Qui chante dans la maison? On a pris le talent là au Rigoli. Tu as fait comment pour avoir une belle voix? Tu étais choriste. Je suis choriste. Eh bien, dis donc, tu as un caractère, ça j'aime bien. Tu es choriste. Et tu chantes quelle voix la chorale? Première voix. Première voix. Ah, les filles qui crient souvent un peu. Ah, Miguel, tu fais ça la chorale? Pourquoi? Il y a trop de filles là-bas. Il n'y a pas trop de filles, les garçons. Non, on disait que je suis encore petit. Ah, c'est pour les grands. Donc, à 13 ans, là, tu en as la chorale. Mais ça va jusqu'ici quand même. Le projet White Bantu, ça va. Vous vous trouvez bien encadré par les adultes? Oui, nous trouvons bien encadré. Bien encadré. Oui. Alors, on va découvrir avec les téléspectateurs qui nous regardent. Ils disent, waouh, aussi jeune, plein de talent. Eh bien oui, hein, ils font des merveilles. Et ils ont vraiment un caractère assez fort. D'ailleurs, on va regarder à travers ce vidéogramme proposé par la réalisation. Petit à petit depuis notre planète. Chers parents, pensez à notre avenir. Enfants d'aujourd'hui, nous sommes les adultes de demain. Enfants du monde entier. Los sacos.
président, quel beau vidéogramme. Le titre, c'est Espoir. Espoir, c'est le titre de la chanson. Eh bien, dis donc. Alors, comment ça se passe au quotidien, le travail avec les jeunes, avec Mireille et Nicole? Vous débrouillez par vous-même? On se débrouille véritablement par nous-mêmes, par nos propres efforts. C'est vrai, Miguel et Mireille ont déjà cette disposition à chanter, oui. Mais ce n'est pas encore la qualité pro en fait. Donc pour y arriver, c'est vrai, on a eu à faire recours au service d'un coach musical, oui. Qui a eu à entraîner encore un peu davantage les White Bantu. Donc on a eu également à, on va dire, faire la petite cotisation, oui. Pour le studio, et ça a pu donner le duo que vous avez écouté, oui. Avec une collaboration avec Afamba Record, et on a pu produire donc le titre Espoir. Le vidéogramme, toujours avec les moyens de bord, Teke, oui. Stéphane et Jean Guinam à la caméra nous ont permis la réalisation de ce joli vidéogramme. Voilà. Et surtout, on va dire ça, le côté promo, oui. Internet, vraiment, c'est un atout. Hein. Internet, c'est vraiment notre fenêtre. Voilà. Ça nous a permis de booster et surtout de nous retrouver aujourd'hui sur ce plateau. Alors, Mireille, l'expérience du studio, ça s'est bien passé? Oui, ça se passe toujours bien. Qu'est-ce que tu aimes au studio particulièrement? J'aime... Ce que j'aime plus au studio, oui. C'est le devoir, donc aspirer, inspirer, oui. Et expirer. Oui. C'est ça qui me permet de charger le poumon et de bien chanter. Et là, je te sens déjà un peu pro. Tu dis que non, j'ai à peine laissé la chorale là. J'ai élevé le niveau. D'accord. Et toi, Miguel, qu'est-ce qui t'a... Miguel, hein, je ne veux pas les problèmes. Miguel, voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le studio? Moi, ce qui m'a marqué dans le studio, c'est les vocalises. Voilà, tu as le terme. Hein? Apprendre à pousser la voix plus haut. Oui. Et de savoir garder et de savoir gérer le souffle. Il y en a souvent grondé un peu que Miguel, comment tu ne comprends pas? On gronde souvent un peu, non? On ne pas manquer. Mais tu gères quand même. Tu gères quand même. Au début, tu gérais, tu es sûr. Tu te fâchais au début un peu. Oui, c'est ça. Après, tu as compris que c'est comme ça. Alors, Mireille, toi aussi, on gronde souvent un peu que Mireille, Mireille. Et quand on gronde, tu ressens ça comment? Tu te dis ne me dérangez pas ou bien tu comprends qu'il faut travailler pour avoir un bon résultat? Je comprends que vous travaillez pour avoir un bon résultat. Eh bien, dis donc. Et c'est vrai que ces jeunes travaillent et ont véritablement besoin de vous pour pouvoir pousser, pouvoir porter haut ce projet qui est louable. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les White Bantu, pour apporter une modeste contribution au projet ou alors pour être leur producteur? C'est quoi les contacts? Les White Bantu sont déjà présents sur toutes les plateformes de médias sociaux, oui. Facebook, oui. Instagram, YouTube surtout, où vous allez pouvoir retrouver ce vidéogramme. Oui, donc tape White Bantu sur Facebook, c'est oui, bon. White Bantu, W-H-I-T-E, oui. Bantu avec S à la fin. Avec S à la fin, voilà, Bantu, d'accord. Voilà. Et le contact pour les appels ou le WhatsApp, c'est le 671 oui. 54 oui. 33 20. D'accord, voilà. 671 54 33 20 pour avoir les White Bantu. D'accord. Si vous avez oublié, Info TV se chargera de vous donner tous les contacts, il n'y a pas de souci. Même comme tonton Augustin, je suis fâché. Elle n'est pas mon papa de t-shirt, c'est pas White. Ah, en fait, c'est une grosse promesse que je vais vous faire en direct. Voilà. Et White Bantu, la collection vestimentaire arrive. Déjà, vous avez, c'est vraiment sur mon télé, vous n'avez pu remarquer que le haut, mais il y a également. Déjà le projet des... est vraiment bien, voilà. Géré et vous êtes à féliciter, ça il faut merci le dire. Merci encore. Merci beaucoup à vous d'avoir fait le déplacement. Merci à Miguel, c'est bon là? D'accord, merci également à Mireille. On vous souhaite tout le bonheur du monde, on souhaite que le projet soit vraiment porté par des personnes qui vont se sentir intéressées par votre don, votre art musical. Merci beaucoup à vous. Dimanche VIP, oui, on détecte ses talents et on fait tout, on se bat pour pouvoir vous les présenter afin que vous, les mécènes, vous puissiez vraiment accorder votre attention à ceux-là qui travaillent de jour comme de nuit. Et ce n'était pas la dernière surprise. Il y en a encore une, mais une gigantesque. On la découvre après la transition.
Alors, c'est quoi la surprise qui va poursuivre? Il s'agit du groupe KKDK qui nous fait le plaisir d'être sur Dimanche VIP. Et on a l'un d'entre eux parce qu'ils sont deux. Ils sont normalement deux. Il s'agit de Malone et de Scron. Mais c'est Malone qui a pu faire le déplacement pour Dimanche VIP. Bonjour à toi, Malone. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Info TV. Bienvenue merci, sur merci. Dimanche VIP. Tu représentes valablement le groupe KKDK. Oui, exactement, je représente le groupe. Alors, comment vas-tu? Oh, je vais très bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça, j'aime la fin. J'aime la fin. Alors, dis-nous un peu, c'est quoi l'inspiration du groupe KKDK? Déjà, comment est-ce que l'histoire s'est faite, hein, pour que vous pensez à vous mettre ensemble pour faire la musique? Tout a débuté au collège, je me rappelle, c'est en 2016. Bon, oui. On se connaissait déjà depuis. Avant, mais d'accord. On a eu l'idée de former le groupe, c'était en 2016. Voilà. Oui. On s'est au collège pour former le groupe KKDK. Vous saviez déjà chanteur ou bien... Oh, dans les débuts, on était juste danseurs. L'autre, lui faisait plus dans la comédie, je crois. Et l'autre faisait plus dans la comédie. Eh bien, donc, le temps de bien vous installer. On se retrouve juste après la transition. Alors, de retour sur le plateau de Dimanche VIP. Alors, tu nous disais que c'est au collège que vous avez pensé à vous mettre et moi ensemble pour former le groupe KKDK. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, pourquoi KKDK? C'est quoi derrière les initiales de vos noms? En fait, comme là tout à l'heure, je l'ai si bien dit, Scrum, à la base, il était comédien. Il était comédien. Avec pour objectif de devenir un grand comédien. Un grand humoriste. Et moi, avant, comme j'ai dansé, je me disais, je dois devenir un grand danseur, le plus grand danseur du monde entier. Bon, et du coup, comme on avait donc laissé la danse, moi j'avais laissé la danse et lui aussi il avait laissé la comédie, oui. On avait décidé de former un groupe de chanteurs et tout au collège. Oui. On avait dit, ok, comme toi tu avais les ambitions de devenir un grand danseur, un grand comédien et moi un grand danseur. Bon, le nom qu'on va donner à notre groupe, ça sera déjà les Kings Kong du Khmer. Les Kings Kong du Khmer, donc, là c'est l'abréviation. Oui, un Khmer avec K, comme on le fait souvent, K-A-M-E-R. Exactement. Et King Kong du Khmer. C'est pas prétentieux quand même, Malone? Non. C'était pour préparer déjà à se dire, on va contre vents et marées, on va s'imposer, on sera de bons artistes. Exactement, voilà, c'est un peu ça. Et la collaboration entre vous, ça se passe bien? Non, tout se passe très bien. Les groupes, c'est souvent compliqué. Hein. Est-ce qu'il y a un leader ou alors tout le monde décide au même moment? Non, tout le monde décide au même moment. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de... Je suis le plus fort, non, il n'y a pas ça. Et pourquoi il n'y a pas de leader? Bon, déjà, nous sommes frères. Oui. Voilà, donc, du coup, vu qu'on s'entend très bien, oui. On s'est dit, voilà, donc, c'est un peu comme les jumeaux. Oui. Donc, est-ce que ça va, on n'a pas besoin d'avoir un leader. Et donc, ça se passe comment au quotidien? Vous avez un producteur, vous avez une équipe avec vous ou bien vous... Ouais, on a une équipe, on a un manager et on a un communicateur. Donc, pas de producteur, on s'autoproduit nous-mêmes. Oui. Et jusqu'ici, ça va ou bien le besoin est réel d'un producteur? Bon, il est bien vrai que les charges sont un peu énormes. Donc, normalement, un artiste a besoin d'un producteur. Oui. Donc, avec le temps, ça va venir. Nous ne sommes pas pressés, en fait. Vous n'êtes pas pressé, ouais. Mais vous produisez déjà de belles choses, ça, il faut le dire. Vous faites dans quel rythme particulier? Bon, on fait dans plusieurs styles. Voilà, donc pour le moment, on est un peu focalisé dans le mbolé parce que c'est ça qui chauffe un peu au Cameroun. Le rythme de l'heure. Voilà. Alors, on va déguster un vidéogramme du groupe KKDK et on revient juste après. Parlons de qui les terroristes. Voilà.
kokolo voilà. I see red. On parle souvent des gens, on oublie catégorie des personnes. Les gars quand ils arrivent, les gars contrôlent toujours la zone. On parle des présidents, on parle des enseignants. On parle même des DJ, comme Baboski DJ. On oublie les touristes, les gars quand ils arrivent, quand ils sont la sécurité. Ils apportent même l'égalité, ils remplacent même le DJ. Pour le touriste, même quand on l'a pas parlé. Au moment du buffet, le rabat seulement s'aligne. Ils s'apportent même du protocole, toujours bien informé. Comme un journaliste, n'importe quel artiste, car on reste toujours optimiste. Oh, l'autoriste, oh, l'autoriste. J'ai pas besoin du pied. Tu es bien d'invitation, là où il y a son, il y a Dieu. Oh, l'autoriste, 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 l'autoriste. Voilà ton l'autoriste. J'ai pas besoin du pied. Tu es bien d'invitation, là où il y a son, il y a Dieu. Oh, l'autoriste, 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 voilà ton l'autoriste. Oh. Les choristes sont familiaristes. Et quand les gars arrivent, ils ont toujours erré. Erré de salutation, ils veulent toujours saluer. Ils veulent toujours angoisser. Oh, oh. Les choristes, tout le monde est plaisir. Et par leur plaisir, je veux déjà me servir. Et quand le gars arrive, il confond le plat d'entrée au plat de sortie. Le plat de sortie au plat d'entrée. Wow. Les gars jonglent même tout. Ils jonglent le matango, ils jonglent le topo. Ils font son mélange. Ils jouent en mode identique. Ils s'en foutent du racontage. À chacun son boulot. Hey. J'ai pas besoin du pied. Tu es bien d'invitation. Là où il y a son, il y a Dieu. Oh, l'autoriste, 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 l'autoriste. Voilà ton l'autoriste. J'ai pas besoin du pied. Tu es bien d'invitation. Là où il y a son, il y a Dieu. Oh, l'autoriste, 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 l'autoriste. Voilà ton l'autoriste. Oh, pas de temps, le temps, on perd le temps. Il est pas là pour faire les plans. Son arrivée s'il en sait, son effet est catastrophe. Il ne boit pas le jack. Il craque sur les flaques. Ce n'est que dans les feux qu'il peut les avoir dans un flac. Et t'as pas de goutti, c'est toi mon plaisir. Avec un clin d'outil, Yolis à la grande. C'est toi la maman, tu sais te comporter. C'est Moyo Maya, c'est toi le faroteur. C'est Mister Hugo, le propriétaire de la marque. C'est Alain Dola, LGBT, le grand manager. Le monster shoot, c'est toi le meilleur. J'ai pas besoin du pied. Tu es bien d'invitation. Là où il y a son, il y a Dieu. Oh, l'autoriste, 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 l'autoriste. Voilà ton l'autoriste. J'ai pas besoin du pied. Tu es bien d'invitation. Là où il y a son, il y a Dieu. Oh, l'autoriste, l'autoriste, l'autoriste. Voilà ton l'autoriste. Oh. Fleur d'élu, la queen. DJ Pepsi, le numéro. Fashion boutique et fiche à pas manger fort. Le titre, le tuyauriste. Ouais, alors raconte-nous, le tuyauriste a fait quoi? C'est celui qui trafique les tuyaux. C'est qui le tuyauriste? Non, 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 non. En fait, ici au Cameroun, je vais dire oui. Au ghetto, voilà. Il y a les gens qui s'invitent. Ça, non. Même si peut-être qu'il y a un événement, il y a les gens qui viennent toujours sans qu'on les invite. Voilà, c'est un peu qu'on les appelle les tueurs. Les tueurs. Voilà. Et bien, pendant les je m'invite les dans je les m'invite, manifestations okay. des gens. Ouais. Alors, dis-nous, comment est-ce que vous procédez pour travailler entre vous, les KKDK? Est-ce qu'il y a un programme bien établi ou alors... Ben, là, il va falloir... Je ne sais pas, il faut bien préciser la question, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire pour travailler, vous organisez comment? Et déjà, on a toute une équipe. Hein. On a un manager, on a un communicateur. Voilà. Donc, pour travailler, déjà, nous sommes deux. S'il va falloir peut-être écrire un son, on le fait souvent à deux. Et on pense au studio à deux. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous écrivez les sons à deux. Voilà. Alors, pour avoir les KKDK, comment est-ce qu'on va procéder? Bon, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un manager, on a un communicateur. Donc voilà, je vais donner le contact du manager
Là, le numéro du manager, c'est le 693 37 88 79. On va reprendre parce que avant ils sont un peu. Ok, et le 693 37 88 79. Et maintenant, pour les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook. Vous êtes présent sur les pages, okay, oui, voilà. D'accord. Et sur Facebook, c'est officiel KKDK. Et Instagram, c'est KKDK officiel. Maintenant, sur YouTube, bon, c'est officiel KKDK. IE. Voilà. Oui. D'accord. Officiel KKDK. Et sur YouTube, c'est KKDK officiel. Voilà. Tout le simplement, et vous pourrez avoir les contacts des KKDK. Voilà. Et le numéro que j'ai donné tout à l'heure, c'est WhatsApp. Voilà, c'est donc, ça. Appel, WhatsApp, ça passe, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Alors, on va vous remercier grandement d'avoir fait le détour sur Info Télévision, en espérant vous avoir rencontré prochainement. Hein. Non, le plaisir partagé. D'accord. Un dernier mot à l'endroit de ceux-là qui vous ont découvert aujourd'hui. Bon, ce que je tiens à vous dire, c'est que et nous sommes en train de travailler dur pour le moment parce qu'on a un nouveau son et déjà le challenge, on avait lancé le challenge le mois passé. Le titre, c'est la préhistoire du Mbolé et le clip, on va le tourner bientôt. Et maintenant, ce que je tiens à dire, c'est que ce qu'ils font dans la musique sur les élèves là, si c'est que vous voyez que c'est la musique qui va donner, faites la musique bien. Juste pour dire quoi? Si tu décides de faire un truc, fais-le bien. Et maintenant, si tu vois que c'est l'école qui va donner, mieux tu fréquentes d'abord avant de faire la musique. Bon, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Un bon conseil de Malone, un jeune qui conseille les jeunes comme lui. Et nous le remercions grandement, ça il faut le dire. Et nous vous remercions aussi, hein, fidèles téléspectateurs d'Info Télévision et plus particulièrement de Dimanche VIP. Qu'est-ce que votre fidélité nous honore? On va également remercier toute l'équipe, hein, qui était au taquet pour cette édition. Nous avons eu Marcel Ngonon, la make-upeuse derrière les caméras. Dans le studio, nous avons eu Saliou Oubambibi. Au niveau de la diffusion, le terriblissime, comme je viens de l'appeler, Anicette Onomo. Nous avons eu à la réalisation le plus que terriblissime Ben Vars. Nous remercions également la directrice générale Aline Paul Obam et la supervision générale bien emballée, bien réservée comme aujourd'hui cadeau. C'est signé Dieu Donné. Restons en compagnie, hein, des programmes d'Info TV qui se poursuivent Dimanche VIP. Rendez-vous dimanche prochain. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble